Vous pouvez désormais acheter vos jeux moins chers en cliquant sur le lien dans la description. Et ça, c'est bien cool. Salut tout le monde! Avant de commencer cette vidéo, je voulais aller voir ce que vous m'avez laissé comme commentaire sur la dernière vidéo de Scrap Mécanique. Bah ouais, je vais aller voir vos défis un petit peu. Fais une chèvre qui marche et qui vole. Alors à ce que je vois dans les commentaires, plus ça va, moins ça va. Un manège qui tourne sur lui-même et dessus une voiture tout terrain. Oui. Est-ce qu'elle sera à vendre la gelote mobile? Ah non, la gelote mobile c'est collector. Trop mignon ton hamster. Cœur cœur. Un hamster. Un mélange de hamster et mystère. Oui, ça doit être ça. Une chenille, très bien. Une construction avec 100 réacteurs. Waouh! Un tapis roulant, oui. Un monster truck, alors j'ai vu qu'un monster truck ça revenait pas mal dans les commentaires. Une voiture de l'espace, une licorne, Spider-Man, un mignon avec un couteau dans la main, fonctionnel. Un mécanisme qui roule quand on appuie sur le bouton, une planète qui vole, un jetpack je crois que c'est pas possible. Je ne sais pas en fait. Un oiseau mélangé avec une girafe congolaise chinoise, ouais là par contre ça va être super chaud quand même. Un kangourou, et pour le piloter tu seras dans sa poche. Oui, ça pourrait être sympa ça. Une araignée qui vole, un cochon volant, une étoile volante, un chien avec des fusées sur pattes, une caravane, un char d'assaut, une moto qui se transforme en voiture, une unicorne. D'autres vidéos sur Scrap Mécanique. Oui, une soucoupe volante ou créer Hamsterville ou Amsterdam. Dédicace à Kiki. Très bien, j'y ferai passer le message. Une voiture qui se transforme en avion, une boubelle qui vole. Coucou, eh bien coucou à toi. Un dragon simple qui vole. Une grue. Un éléphant ou bien un kangourou ou une équipe de foot ou plein de petits soldats genre l'armée de terre. Waouh, tu veux du café aussi? Ouais. Fais une arme automatique de la mort qui tue. Essaye de faire un griffon, bonne chance et je t'adore. GG pour ton Iron Man. Ah bien merci à toi Florence, ça fait super plaisir. Pourquoi tu dis toujours les gars et les filles alors? Oui, alors désolé, c'est vrai que j'ai toujours une manie dans les vidéos, je dis toujours les gars, alors qu'en fait oui. Donc désolé pour toutes les filles qui regardent. Des gros bisous, des grosses dédicaces à vous. Un avion avec des ailes et une corne. Oui, pourquoi pas. Une moto, un géant. Un hélicoptère. Peux-tu refaire la scène du Big Bang mais sans les dinosaures s'il te plaît? Bonne journée ou soirée. Waouh, ça va être chaud ça. Un dinosaure qui peut se transformer en voiture. Au passage merci à toi The White Nose. Ça fait bien plaisir. Un bonhomme mi-homme mi-robot volant. Un énorme robot chien comme ceux de Star Wars. Une maison qui peut se transformer en moto, voiture, avion, vaisseau et en titan. Waouh! Ça devient de plus en plus chaud les défis que vous me laissez dans les commentaires les gens. Fais un dauphin qui vole s'il te plaît. Un pingouin volant. Pourquoi pas? Une licorne monnaie. Mais oui bien sûr. Une cabane dans un arbre géant. Bonne chance et bonne vidéo. Merci à toi Clara, ça fait plaisir. Il peut pas faire une cabane sur un arbre. Mais si, apparemment on peut faire des cabanes dans les arbres. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien sur une vidéo et effectivement c'est possible. Fais la galaxie. Monster Truck, voilà. Encore une fois, la galaxie, un jetpack, une licorne, un hélico, un WC qui vole, un X-Wing, un dragon, c'est mon anniversaire, et bien bon anniversaire. Une voiture, un cochon volant, une voiture qui se transforme en robot, un cochon volant, c'est beaucoup ressorti ça aussi, hein, disons. Un train, une caravane qui est reliée à une voiture, oui, une moto qui a de la patate, un 4x4 qui roule, fais un cœur avec des ailes et GG pour tes vidéos. Oh, c'est tellement mignon ça. GG, Jolotte, incroyable, il est mieux que ton papillon. Défi, fais une mouette, pas obligé qu'elle vole. Une mouette? Mais t'as vu la gueule de mon papillon? Oui, tu veux que je fasse une mouette? Un escalier volant, un camion volant, une réplique de la Batmobile, un hélico, un Transformers, un vaisseau spatial, un dragon, une arme, un tank. Un tank? Un agneau qui roule du boule, une moto, un tank, un Transformers, la voiture de retour vers le futur, le marteau de Thor. Bon, très bien, je vais pas dérouler tous vos commentaires, mais vous m'avez laissé beaucoup de défis, je les ai tous lus, et je pense que ce qui est pas mal ressorti et ce qui m'a bien plu, c'est faire un Monster Truck. Très bien, Monster Truck vous voulez? Monster Truck vous allez avoir. Ça va être un truc de malade. Oui, je sais, à chaque fois je dis la même chose, mais là, ça va vraiment être un truc de malade cette fois. Ok, on va commencer le Monster Truck ici. On va le faire avec des blocs bien costauds, c'est-à-dire on va le faire en métal. Ça va être un truc de malade. Alors par contre, je tiens à préciser que je ne sais absolument pas du tout comment je vais m'y prendre. C'est à la wall again, comme d'habitude. Mais ça va donner un truc de malade. Ça, vous pouvez en être sûr. Voilà, je pense que ce sera la base de mon Monster Truck. Mais c'est pas assez gros comme Monster Truck. Un Monster Truck, c'est... c'est un Monster Truck, hein, on est d'accord. Voilà, disons que là, ça me plaît plus comme Monster Truck. Tu vois ce que je veux dire? Très bien, on va y faire un truc à l'arrière, comme ceci. On va faire ça symétriquement. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, oui. Non, j'ai fait un petit peu de la merde là, non? Voilà, est-ce que c'est symétrique? Non, c'est pas symétrique. J'ai l'impression que c'est plus long ici. Voilà, ouais, c'est symétrique. Très bien, on va faire à peu près la même chose ici. Hop, ça, c'est pas mal. Vous allez voir, ça ressemble à rien du tout pour l'instant. Et c'est pas dit que ça ressemble à quelque chose quand ce sera fini. Non, vous inquiétez pas, bien sûr que ça va ressembler à quelque chose. Ça va être un truc de malade. Regardez, c'est là que ça va commencer à prendre de la gueule. Bien gentiment. Voilà, c'est symétrique. Là, c'est symétrique. Par contre, là, c'est pas symétrique. Là, c'est pas symétrique du tout. Là, ça commence à être pas trop mal au niveau du Monster Truck. Disons qu'on a la base. Par contre, je vais faire un truc bien stylé. C'est que je vais faire une petite base en bois comme ceci. Voilà, ça, c'est parfait. D'accord, très bien. Ce que nous allons mettre, on va prendre des blocs comme ça. Tac, ok.
Je pense que on va se mettre ça. Attendez, parce que là, c'est un petit peu à la freestyle. Hein. C'est vraiment du freestyle. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, mais je le fais. Je sais pas du tout dans quoi je me suis embarqué. Ça ressemble absolument à rien. Pour le moment. Ok, voilà, on va faire ça. Alors, ne vous inquiétez pas, surtout si vous ne comprenez rien. Je vous rassure, moi non plus. Disons que j'y vais un petit peu au feeling. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est pas trop mal. Bien sûr. Ah, c'est pas un Monster Truck s'il n'y a pas des grosses roues. Hein. Ouais. Et disons que ça, ce sera pas mal, je pense, au niveau des roues. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je n'en sais rien. On va faire pareil sur les quatre côtés. Voilà, comme ça. Ça va commencer à prendre de la gueule, je pense, au bout d'un moment. Vous inquiétez pas. Ou pas. Voilà! C'est là que ça va commencer à prendre de la gueule quand on va mettre les roues. Par contre, il y a un truc qui va pas. Ah, c'est que mon Monster Truck va falloir qu'il tourne. Donc en fait, ça me plaît pas du tout. On va mettre des blocs comme ça. Hop. Dans les quatre coins. Impeccable. Là, on est pas mal. Vous allez voir, ça va prendre de la gueule tout doucement. Voilà, maintenant on va pouvoir mettre les roulements sur les côtés. Impeccable, vous allez voir, ça va être un Monster Truck de la mort qui tue. Ça va être un truc de malade, j'annonce les gars. Par contre, j'ai bien peur que ça tourne pas avec ces machins en bois. On va voir, on va voir, on va voir, rien n'est fini. Alors, il fait voir ce qu'est-ce que ça donne ce Monster Truck. Ouais, disons que c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rampe. Déjà pour monter dans notre Monster Truck, parce que ça va être un truc de malade tout simplement. On va faire une rampe avec des blocs comme ça. Hop, tac. Ce Monster Truck part complètement en couille, je vous l'accorde. Disons que là, ce sera pas trop mal. Très bien, il va bien sûr nous falloir un moteur électrique. Ce moteur électrique, vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va prendre de la gueule. Et je pense qu'on va en mettre deux, c'est juste histoire de répartir le poids. Il nous faut un interrupteur, donc on va mettre un interrupteur ici. L'ordinateur, on va le mettre ici. Ça, c'est parfait. Ok, on va relier ceci à l'ordinateur. Celui-ci, on va également le relier à l'ordinateur. Oh putain, mon dieu. Voilà, alors maintenant nous voulons que ça descende un petit peu à genre... Bah faut que ça descende jusqu'en bas quand même. On va le faire en deux étapes. Faut appuyer sur l'interrupteur. Oh putain, ouais, ce délire. Attends, le deuxième à 90 degrés. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Là c'est pas trop mal. Alors, ça fait que maintenant si j'appuie sur l'interrupteur... Voilà. Oh, tiens. Par contre je voudrais bien que ça descende un peu plus au niveau de là. Ouais, disons que c'est pas vraiment ce que je voulais faire là. Disons que c'est un petit peu la merde de ce que j'ai fait là. Putain, comment que ça va vite mon vieux. Voilà, ouais, disons que comme ça c'est pas trop mal. C'est pas trop trop mal. Voilà, pour monter sur mon Monster Truck, juste ce qu'on aura à faire, bah c'est simple hein. De toute façon, bien sûr, c'est comme ça dans tous les Monster Truck. J'utiliserai mon ascenseur. Tout simplement. Alors, bah très bien, c'est pas trop trop mal, mais par contre, ça me plaît pas parce que j'aurais bien voulu que ça, ça descende plus, là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comment le faire descendre un peu plus? Ah oui, ou alors c'est en troisième, peut-être dans ce sens-là, non? Non, c'est pas ça, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, attendez, oui, je sais, c'est dans l'autre sens. Mon dieu, le bordel, il part totalement en couille. Ah bah voilà. Là c'est un petit peu de trop. 30 degrés c'est parfait. Ça fait que si je le replie, ça fait quoi? Non, non, c'est pas du tout ça ce que je voulais faire, non. Là c'est parfait. Voilà, ça fait que maintenant si j'appuie sur le bouton, et bah voilà. Alors, je vous avais dit que j'y arriverais. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et pour monter plus rapidement, bah j'ai juste à faire ça mon vieux. Hop là, tu vois. Ah non, ça m'éjecte directement sur le Monster Truck. Elle est pas belle la vie. Alors, et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Là-dedans, et voilà. Et cette porte, bien sûr, bah, elle a une deuxième fonction. Regarde, si j'appuie dessus, ça doit faire un trampoline, normalement. Alors, hein? Tiens, regarde donc. Alors, trois en un, le machin. C'est un Monster Truck, ça fait une rampe, ça fait un trampoline. Alors, que demander de mieux? Tu vois? Je viens de remplir trois défis, là, direct, tout de suite, là, tu vois? Ah, très bien, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le siège du pilotage. Bah oui, hein, sinon c'est plus un Monster Truck, les gars. Moi, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout, cette affaire. Moi, je veux faire une cabine de pilotage digne de ce nom. Voilà, on va faire une belle cabine de pilotage. Ça va être un truc de malade. On va faire, bien sûr, des petits roulements. Bah oui, faut bien rentrer dans la cabine de pilotage. On va faire ça comme ça, c'est impeccable. Pour les portes, je vais mettre un deuxième ordinateur. Ouais, parce que ça me plaît pas sinon. Je préfère mettre deux ordinateurs. Hop, voilà, impeccable. Et je vais mettre un interrupteur juste ici. Ça c'est bon. Voilà, l'interrupteur qu'on va relier au deuxième ordinateur. Impeccable. On va y dire bien sûr d'ouvrir à 90 degrés. Parce que c'est pas mal. Et normalement si j'appuie sur l'interrupteur.
Ok. On va juste y dire d'aller dans ce sens là et c'est impeccable. Alors, elle est pas belle ma cabine de pilotage? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà. Alors, par contre, putain, ouais, j'avais pas pensé à un truc. C'est que je vais peiner à rentrer dedans là. Et ben c'est pas grave, regardez ce qu'on va faire. On va carrément allonger notre cabine de pilotage. Ça va être un truc de malade. Voilà, comme ceci, impeccable. Maintenant, je vais mettre bien sûr des moteurs à essence. Parce que ça va être un truc de malade. Et moteur à essence, on va mettre ça là. Putain, attendez, j'ai envie de faire un truc de malade. J'ai envie de mettre un moteur sur chaque roue. Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose. Mais je pense que ça peut donner de la patate, voyez-vous. Donc celui-là, alors attendez. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, faut que je relie les bons. Hop. C'est celle-là, impeccable. Celle-là, impeccable. Celui-ci, on va le mettre là. Oh putain, pourquoi je croise tout moi comme ça là? Je suis en train de me perdre. Et celui-ci, on va le mettre sur celui-là. Donc là, c'est impeccable. On va bien sûr relier tous les moteurs au siège. Ce délire. Le machin, il commençait déjà à démarrer. Vous voyez, il a envie de partir là déjà. Il a envie d'y partir. Regardez. Regardez ça, ça y est. Hein, il est parti là. Bien sûr, pour la direction, on va faire comme ça. Regardez là. Alors, il commence pas à avoir de la gueule, mon Monster Truck. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, bah regardez. Moi, il me plaît. Moi, il me plaît. Franchement, sincèrement, il me plaît. Regardez, voilà. Attendez, je vais le refermer parce qu'il aura plus de gueule. Oui, c'est pas mal. Regardez. Hein? Tatin! Alors, il est pas beau. Tiens, c'est un Monster Truck. C'est un peu à ça que ça ressemble quand même. Un petit peu. Je vais bien sûr aller voir s'il a assez de patates. On va l'essayer. Ce délire, mon vieux, putain. Allez, vas-y, remonte, hop là. Vas-y, hop là, oui, impeccable. Tiens, ça me jette dedans. Hop, voilà, petite cabine de pilotage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce délire. Hein? Alors, ah, je vous avais dit que ça allait mal tourner. Ça allait très mal tourner. Oh putain, par contre, ça tourne pas dans le bon sens. Ah, ça me plaît pas. Là, ça va tourner dans le bon sens, je pense. Alors. Ouais, là, c'est bon. Il n'y a pas assez de patates, les gars. Il n'y a pas assez de patates. Attends, ils ont de la patate, ces moteurs. Ah, bah c'est normal qu'il n'y a pas assez de patates. Alors, je me disais aussi, ça avance pas, bordel. Voilà. Si les moteurs, ils sont pas pleins de patates, il peut pas y avoir assez de patates. Celui-là, je m'en suis même pas servi de ce moteur, je crois bien. Il est juste là pour équilibrer le poids. Enfin, bon, il y a ce gros machin qui équilibrera bien aussi. Ça ira bien. Ah! Ah, bah voilà! Hein? Voilà! Ce délire! Attendez, attendez, parce que toutes les roues tournent pas dans le bon sens, j'ai l'impression. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Ah bah oui, celle-là, c'est pas bon déjà, tu vois. Voilà. Et puis celle-là non plus, j'imagine. Voilà, alors. Allez, vas-y, en avant toutes, mon vieux. Ce délire, mon vieux. Vas-y, vas-y, alors. Alors, mon vieux, qui c'est qui a parlé d'un Monster Truck, là? Alors, hein? C'est... ça ressemble un petit peu à un Monster Truck, quand même. Plus ou moins. Plus, moins que plus. Mais un petit peu quand même. Et puis regardez ça. Regardez ça. Regardez ça, la patate qu'il a, le bordel, mon vieux. Alors, hein? Qu'on vienne pas me dire qu'il est pas beau, mon Monster Truck, mon vieux. Alors, il est magnifique, mon Monster Truck. Il est juste magnifique. Il est opérationnel, il roule. Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, mon vieux. Regardez ça. Non, non, non. Non, non, non. Par contre, non. Ah, par contre. Non, non. Par contre, non. Moi, vous savez que mon petit péché mignon dans ce jeu, c'est la patate. C'est qu'il manque de patate. Il manque clairement de puissance, ce Monster Truck. On va y en rajouter un petit peu. Oui, parce que franchement, non, non. On va y en mettre... on va y en mettre pas beaucoup, hein. On va y en mettre 2-3, histoire d'avoir un petit peu de patate, tu vois bien. Voilà, tranquillement, comme ça. Voilà, je pense que là, ce sera pas mal, au niveau de la patate. On va relier tout ça au siège. Regardez ça, c'est la guerre des étoiles, il y a des lasers de partout là-dedans. Allez, vas-y, alors, c'est parti. Alors. Oh putain, attendez, ah bah oui, gars, j'ai oublié de ranger l'escalier, mon dieu. Allez, vas-y, remonte. Ouais, c'est pas mal. Ah bah voilà, tiens, écoute le bourrin, là. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Monster Truck, vous voulez? Bah, Monster Truck, voilà, mon vieux. Il est quand même bien, hein?
Tiens, et on va même faire un truc de fou, ça va être un truc de malade. Je vais déjà répondre au prochain défi qui sera susceptible de m'être posé dans les commentaires. Comme ça, ce sera déjà fait. Et ben, je vais faire un monster truck qui vole, mon vieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais mettre un interrupteur, je vais le mettre dessous parce que ça va être bien. Voilà, on va relier tous les réacteurs à cet interrupteur. Alors, c'est un monster truck 2 en 1 les gars, c'est du jamais vu, c'est de l'exclu, c'est ici que ça se passe. Un monster truck qui roule et qui vole. Dites-moi où c'est que vous avez vu ça. Alors, vous allez voir, ça va être un truc de malade mental. Regardez ça, toute la connectique, c'est le bordel là-dedans mon vieux, même moi je m'y perds. Ce bordel. Oh putain, on va mettre un raccourci là, tac. Ah, ça, ça fait plaisir maintenant que je sais qu'on peut mettre des raccourcis sur les interrupteurs, hein. Maintenant, si je monte et que j'avance, tranquille. Ça, c'est tranquille. Mais si j'appuie là, bah c'est qu'on devrait décoller maintenant, non? Oh non. Oh bah non. Bah y a pas assez de réacteurs, les gars. Oh, ça manque de patates. Ça manque de patates, tiens. C'est bizarre. Ah, ça manque de patates. Bouge pas, je vais te le faire voler, moi, ton machin. Alors comme ça, ça manque de patates. Ah bon, tiens donc. Alors et là, ça va manquer de patates, tiens. Ouais, t'as un petit interrupteur là. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh putain, je suis complètement perdu là. Là, je suis complètement perdu. Oh putain, je suis perdu. Je suis perdu. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je vais y arriver. Voilà, j'ai même mis un autre interrupteur. Voilà, tiens, ceux-là, on va les raccorder ici. Ouais, parce que là, franchement, je vous dis, c'est le bordel. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est pas beau mon monster truck là? Alors. Alors mon vieux, si tu me dis qu'avec ça il vole pas. Allez, vas-y, c'est parti. Non, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de faire un truc. Bah oui, c'est de relier les interrupteurs au siège pour faire des raccourcis. Donc celui-là, ce sera le raccourci numéro 2. Et celui-là, le raccourci numéro 3. Ça va être le bordel. Allez, c'est l'instant de vérité. Bon, déjà. Déjà, il avance, tranquille. Allez, on appuie sur le 1. Très bien. Pas assez de patates sur le 1. Non, non, ça s'envole pas. Allez, numéro 2. Ah, comment ça? Numéro 3, oh putain. Ah, numéro 3, il marche pas. Ah. Numéro 3, il marche pas. C'est quoi ce délire? Waouh, wow, le délire. Pourquoi qu'il marche pas? J'ai peut-être branché trop de réacteurs. Allez savoir. Attends. Hein? Ah non, 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 c'est bon, c'est ça. Hein. J'ai bien branché tous les réacteurs. Je comprends pas. Mon monster truck, mon vieux! Ce délire. Waouh, il a des petits soucis, mon monster truck, des fois. Je sais pas ce qu'il a, mais. Vas-y, attends, je vais aller dans ma cabine de pilotage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah déjà, il roule! Ça c'est bon, c'est une bonne affaire. Par contre, effectivement, si j'appuie sur 1, voilà. Si j'appuie sur 3, ça fait ça. Et très bien. Je crois qu'il y a trop de réacteurs en fait. C'est ça le truc qui va pas, je pense. Bon ben voilà. Voilà. Monster Truck, vous avez voulu. Monster Truck, voilà. Il est là. Voilà. Bon bah faut l'imaginer dans l'autre sens, bien sûr. Mais il est là quand même. Et encore une fois, j'ai envie de dire défi relevé. Bah tout simplement, voilà. Et bien voilà, n'hésitez pas à me lancer d'autres défis dans les commentaires et je me ferai un plaisir de les lire. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain défi. Et ciao tout le monde, bye. Et ben voilà, alors, il est beau mon Monster Truck.